un tonton précieux pour les enfants du futur roi d'Angleterre. S'ils sont privés de leur oncle Harry par la force des choses, George, Charlotte et Louis peuvent compter sur leur tonton Middleton pour les gâter et leur transmettre des valeurs qui lui sont chères. Lorsque la famille du prince William a pleuré la perte de son chien Lupo fin 2020, C.S.T. James Middleton, le frère de Catherine, Kate, qui a proposé de leur donner un nouveau compagnon issu de son propre élevage. Et comme il le souligne auprès d'Oc Magazine, il s'agit plus qu'un simple cadeau, ils sont chanceux d'avoir un chien dans leur vie, a-t-il précisé. Grandir auprès d'un animal est un privilège, assure James Middleton. Il raconte avoir dû attendre son adolescence pour avoir le droit d'avoir un chien et ce compagnon lui a fait voir la vie autrement. Dépressif, James Middleton confie qu'avoir un animal a été l'élément déclencheur de sa guérison, sortir prendre l'air avec lui, être responsable d'un être vivant, sont des paramètres qui lui ont donné une raison de se lever le matin. Il estime donc que George, Charlotte et Louis ne devaient pas grandir sans un animal proche et il leur a apporté en 2022 la petite Orla, un épagneul qui fait la joie de la famille. George, Charlotte, Louis, Archie. Les vraies stars de la famille royale et Jamie Middleton et sa femme Alizée doivent leur mariage. Un chien, sa chienne a été plus qu'un compagnon de dépression pour James Middleton, et là, décédé en 2022, l'a même aidé à rencontrer l'amour de sa vie. Il faut dire que sans l'intervention de son cocker, l'entrepreneur de 35 ans n'aurait jamais rencontré son épouse, la française Alizée Thévenet. Dans les colonnes du Times, le 28 janvier dernier, il est revenu sur cette rencontre digne d'une comédie romantique. J'ai rencontré Alizée grâce à Ella, après qu'elle a foncé tout droit vers elle dans un restaurant, a expliqué le frère de Pippa Middleton. Avant de poursuivre, j'ai alors écrit une petite note, qu'Alizée a gardée. Je l'ai signée de la part d'Ella. J'avais écrit quelque chose comme, voudriez-vous sortir avec moi pour un verre, et j'amènerai avec moi mon ami James. Depuis cet épisode, ils ne se sont plus quittés. Crédit Photo, Agence. On your own, but